Alors, petit système aquaponique. Hop, voilà. On va ramasser les premières courgettes. Je ne sais pas si vous les voyez. Hein. Elles sont pas dégueulasses. Hein. Alors, la première. C'est même costaud à enlever. Voilà. J'aurais dû prendre un sécateur. On va essayer de choper celle-ci. Ah putain, j'ai cassé la fleur qui poussait. Ça fait une grosse courgette quoi. Hop. Hein? Et là-dessus, vous voyez, il a tellement plu que j'en ai quelques-unes qui sont en train de pourrir. Hop, il faut enlever les fleurs qui sont en train de pourrir. Hop. Voilà, il faut couper au sécateur quoi. Et ce problème c'est que c'est tellement gros. Voilà. Là. J'ai une ou deux fleurs que j'ai cassées sans faire gaffe. Voilà. Et le pied, il est énorme. Là, j'en ai une autre qui pousse. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, là. Voilà. Après, les tomates, le persil. Là, j'ai des concombres qui sont en train de pousser. Là, j'ai de la menthe. Il y en a plein. Le persil, c'est pareil. Hop, c'est tout envahi. Hein. Et j'ai essayé des choux. Et les choux ont pris une place. Et les pieds de tomates, il n'y en a que deux, hein, de pieds de tomates. Je sais pas si vous imaginez, je ne les ai pas tuturés. Et c'est envahi, quoi. Ça pousse, il n'y a pas de problème. Hein. Là, j'ai quelques salades derrière. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hein. J'ai des pieds de piment, mais ils sont envahis. Par la menthe qu'il va falloir que je vire, hein, il y en a trop. Ça, la menthe, elle pousse, c'est une vitesse. Normalement, j'ai de l'oseille juste derrière, à côté de la salade. Hein. Je vous ferai une autre vidéo bientôt. Là, je vais faire un peu de nettoyage. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.